Là, ils sont en train de travailler avant de faire vraiment le concerto en entier. Ils sont en train de chauffer les musiciens pour qu'ils se mettent bien dedans, en fait. Encore. Alors, au bois. Plus, plus, plus. Voilà. Mon rôle à l'Orchestre de Lille, c'est de capter les concerts et de m'occuper de tout ce qui est la partie son. Tous les concerts sont non sonorisés. Quand on met les micros, c'est juste pour enregistrer et éventuellement, si on a un instrument qui est un peu faible par rapport à l'orchestre, on peut éventuellement sonoriser. Mais autrement, tous les concerts sont acoustiques, entièrement acoustiques. Mon parcours, c'est un parcours d'abord de musicien, non professionnel, en essayant de le devenir, mais c'est compliqué. Et petit à petit, en fait, j'ai dérivé vers le son et vers la sonorisation, l'enregistrement de groupes, de formations en tout genre. Ça, c'est ma vie, c'est rouler des câbles. Je crois que j'ai dû faire le tour de la Terre avec tous les câbles que j'ai roulés. Travailler à l'Orchestre de Lille, c'est vraiment le top parce qu'on a du matériel qui est vraiment super bien. Je me retrouve à travailler dans un environnement qui est vraiment haut de gamme, très haut de gamme. Pour faire ce métier-là, la base, je pense, c'est d'être musicien, d'avoir pu jouer avec d'autres gens, les interactions qui se passent entre musiciens, capter les différences de volume qu'il faut utiliser. Voilà, autrement les qualités de l'oreille forcément, de la patience, de la curiosité.